Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. On se retrouve à la suite du précédent épisode où j'avais fait la table de l'enchantement. Et du coup là, on va en fait, on va directement aller sur Mistcraft pour générer un monde, parce que c'était soit la Twilight ou toi Mistcraft. Alors la Twilight, je sais pas, c'est, je serais bien tenté, mais du diamant, est-ce qu'on en a assez? Je crois qu'il y en avait dans le coffre ici. On n'a pas accès comme ça. Je voulais récupérer. Hop, on va remonter. La redstone. Ça, c'est sacré bubix. Ah, on peut s'accrocher là, directement. Mais ça, on ne doit pas trop tomber. Alors, hein, l'XP. Ah, il a miné ce fameux truc là. Ah là là. Récupérer ça. De la glace. Ah, du charbon. Tiens, bon. Remontons. Alors, je vais peut-être générer une Twilight plutôt que Misscraft. Ou à moins qu'on va voir Misscraft ensemble. Ok, on va peut-être voir Misscraft plutôt. Je vais ranger ça. Alors, pour Misscraft, il y a eu du changement. Enfin, personnellement, moi, je l'ai testé sur la bêta de FTB, le tout premier mode pack. Et depuis, j'ai pas vraiment retouché. Enfin, pas du tout, même. Alors il va nous falloir de l'encre en première chose. Alors ça se fait avec du verre. Alors, on va faire des bouteilles. Alors j'ai dû craft du verre quelque part. Je ne sais plus trop où ça. Peut-être dans un four. Non, ça c'est du fer. D'accord, bon, on récupère ça. Ça nous fait de l'XP. Alors, dans le coffre personnel, pas de verre. Ah, ici, il y a du verre, mais celui-là, on va en avoir besoin pour. À quoi que c'est des glaces qu'il faut, et ça pourrait peut-être le faire. On va les piquer, c'est pas grave, on en refera. Alors, les minerais de fer, on les range. Ça, c'est du dust. Je crois que ça se fait avec des glaces. Bottle. Ah, c'est des carrément. Bon, tant pis, tant pis. On va pouvoir en faire 2. 6 du moins. Voilà. Les 6 sont faits. Il va nous falloir 2 qui soient remplis. Et il va nous falloir de l'encre. Ouais, y a-t-il moyen? Un drop, j'en ai 5. Est-ce qu'il y a moyen de le multiplier? Non, j'ai pas l'impression. On peut faire de la peinture, ouais. C'est pas ça qui nous intéresse. Ça, c'est pour apply une énergétique. Là, je sais pas trop quel mode. Bibliocraft. Non. Donc, deux comme ça. Non, c'est pas ça la recette. Ah, il faut qu'il soit rempli. Oui. Bon, on va aller chercher de l'eau. On va remplir les petites bouteilles. Voilà, creeper, squelette. On va éviter d'y aller. Voilà, ça c'est rempli. Alors. Ah oui, ok. Alors, en voilà une. En voilà deux. Ouh, il a l'air de vouloir faire le tour, le creeper. Bon, on va ranger ça ici. L'encre. Donc, on a notre encre. Va falloir qu'on crafte. Ah, il nous faut une bouteille vide. Alors, comment je fais pour la vider celle-là? En buvant tout simplement l'eau. Donc, le ink mixer. Il va nous falloir de la stone, du bois. Ça tombe bien, de la stone. Je vais peut-être poser là. Non. À l'étage. Encore à l'étage.
processeur de tout ça directement. Du bois, du bois. Attends, je vais prendre ce bois-là parce que je voudrais voir. Non, normalement, ça devrait fonctionner. Nickel, ça fonctionne. Ensuite, il va nous falloir le bookbinder. Du fer, ça tombe bien. On en a ramassé tout à l'heure. On va monter à l'étage, proposer ça. Alors, où je pourrais mettre ça? Bon, ici. Donc voilà, celui-là, je sais pas trop quoi il nous sert au final. C'est plutôt celui-là, je crois. On va se faire un notebook, quoique peut-être pour l'instant il sert pas grand-chose. Un descriptif book modifier. Alors je sais plus trop exactement la fonctionnalité. J'avais vu ça juste avant. C'est des pages qu'il va nous falloir faire. Que je fasse pas de bêtises. Bah, je vais faire une petite coupure et je reviens. Donc, je viens de regarder. Alors, c'est pas compliqué du tout. Il suffit juste de mettre de l'encre ici. Ça remplit la sphère au milieu. Et il va nous falloir du cuir et du papier. Alors, du papier, il y en a ici. On va prendre la moitié. Du cuir, bah, j'ai tué les vaches qui étaient à l'extérieur. En même temps, on va passer la nuit. Voilà. Alors, le cuir, on le met ici. Le papier, on va le mettre là et on va récupérer. Ça va, on va écrire une page avec le ink mixer. Bon. Et une fois qu'on a une page de craie, vous voyez l'encre disparaît. Bah, il a été utilisé pour faire la page. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la couverture. Vous mettez ici et là. Hop. Et là, vous avez bah, un premier monde, on va dire. Vous voyez? J'ai même débloqué un succès à jeu 2. J'aurais pu le renommer un an trop tard. Mais avant de partir là-bas, il va falloir qu'on fasse une autre page. Alors pour ça, il va falloir mettre encore de l'encre. Voilà. On récupère une page. Il va nous falloir du cuir. J'ai tout mis le cuir ici, évidemment. Et là, vous créez le petit livre qui va nous permettre de revenir à l'endroit où ce qu'on est. Alors là, le livre n'est pas une ligne, il n'est pas relié. Vous le prenez, vous choisissez la position où vous voulez apparaître, parce qu'en général, ça vous fera apparaître pile poil à l'endroit. Alors, bon, on va faire comme ça. Vous cliquez dessus, et là, le livre, il est linké. Vous l'ouvrez. Bon, on est déjà dans l'overworld, alors du coup on peut pas y aller, mais quand on sera dans notre monde, on pourra y aller. Alors ensuite, une fois qu'on a notre livre, enfin nos deux livres, on va faire un petit support parce que le livre, quand on clique dessus, bah, en fait on rentre à l'intérieur du livre et le livre, bah, il reste sur place et puis il tombe au sol. Et puis bah, ça peut être embêtant parce que le livre peut être détruit ou être perdu. Et on ne pourra plus l'utiliser. Donc, on va faire un support. Alors, le support, il se fait comme ça. Nous faut deux sticks. Et du bois. Voilà. On va en faire deux, là. On va poser notre livre H2, ici. Et là, si je vais dedans, bah, je vais générer dans un nouveau monde. Mais pour l'instant, je vais déjà déposer mon stuff parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté. Voilà.
On ça parce que j'ai pas envie de le perdre, ça non plus. Les torches, c'est pas grave. Bon, on va rester comme ça, je vais tout déposer. Parce qu'il y a des chances d'avoir des maléfices. Parce que les mondes sont instables. Voilà. L'armure aussi. On va prendre le risque. Ouais, c'est comme si on allait dans le Nether et qu'on avait des chances de tomber dans le vide. Donc, et bah là, ça va être parti. On va aller explorer ce nouveau monde. On va voir qu'est-ce qui nous attend. En espérant ne pas avoir trop d'instabilité. C'est parti. Ça fonctionne pas. Pourquoi donc? Bon. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne pas. C'est peut-être pas activé sur le serveur. Bon bah ça marche pas. Bon bah du coup on va récupérer notre stuff. Alors bah tout ça. On va déposer ceci. Et on va aller visiter la toilette. Du coup, au moins, ceci, je pense que ça devrait fonctionner. Notre seau, notre bois, nickel. Alors, pour la toilette, il va nous falloir un diamant. Et des fleurs. Alors, des fleurs, on en a ici. Alors, on va prendre cela. Champignons, ça devrait fonctionner aussi. Alors pour ça, on va aller générer la toilette. Où est-ce qu'on pourrait aller la générer? Pourquoi pas ici, sous ce cerisier. Donc je rappelle ces deux trous, enfin un trou de 2 par 2, et entouré de fleurs. On va chercher d'autres fleurs. Alors, je sais pas si, comme c'est pas des fleurs de Minecraft, alors je vais pas prendre de risque. Je vais prendre des fleurs Vanilla. Nous en faut quoi? 1, 2, 3, 4. De nos plantes. Ensuite, vous mettez un petit seau d'eau. Et là, vous n'avez plus qu'à jeter le diamant à l'intérieur. Par contre, attention, parce qu'il y aura un éclair et il fait mal. Voilà. On vient de générer la toilette. On récupère un seau d'eau. Bon, j'espère que ça ne va pas nous faire apparaître n'importe où. Bon, allez, c'est parti. Bon, le temps que tout se charge. Voilà. Ah, Temut's connexion. Bon, on y retourne. Ah, fatale erreur. Ok.
Voilà. On se retrouve dans la toilette. Alors le monde n'est pas généré complètement. Bon, je vais faire une petite déco roco. C'est pas gagné. Bon, je vais faire une petite coupure le temps que tout se charge, alors je vous dis tout de suite. Eh bien donc, la toilette bug, il faudra voir ça. On n'a pas de chance du tout que ce soit Mistcraft ou Twilight, il n'y a rien qui fonctionne. Donc je pense que voir ça avec Bubix, le problème. Et du coup, on fera ça sur un prochain épisode. Bon allez, ciao!